Coucou les enfants, on se retrouve pour la dictée flash du mercredi 23 septembre, d'accord? Est-ce que vous êtes prêts? Alors, je vais d'abord vous la lire. La dictée flash est composée de deux phrases aujourd'hui. Je vous la lis rapidement. Les artistes se servent de leurs mains comme pochoirs. Ils soufflent de la peinture dessus. Donc, les artistes se servent de leurs mains comme pochoirs. Ils souffle de la peinture dessus. Point. Je vais la relire avec les points. Les artistes se servent de leurs mains comme pochoirs. Point. Ils soufflent de la peinture dessus. Point. Donc, faites bien attention, la conjugaison c'est au présent, hein, vous l'avez entendu. Attention, les artistes, est-ce que c'est au pluriel? Est-ce que c'est au singulier? Faites attention. Faites attention du coup à la conjugaison du verbe, hein, je vous donne des indices. Allez, c'est parti. Les artistes se servent de leurs mains comme pochoirs. Les artistes se servent de leurs mains comme pochoirs. Excusez-moi. Les artistes se servent de leurs mains comme pochoirs. Point. Les artistes se servent de leurs mains comme pochoirs. Ils soufflent de la peinture dessus. Point. Attention, pensez bien, ils, de qui on parle? Est-ce qu'on parle d'un artiste, de les artistes, hein, des artistes? Attention, pour bien écrire au singulier, au pluriel, pensez bien. Les artistes se servent de leurs mains comme pochoirs. Point. Ils soufflent de la peinture dessus. La dernière phrase, ils soufflent de la peinture dessus. Point. Les artistes se servent de leurs mains comme pochoirs. Point. Ils soufflent de la peinture dessus. Point. Je vais la répéter une dernière fois avec les points et ensuite une autre fois sans les points. N'hésitez pas à revenir en arrière, à mettre pause, etc. On est bien d'accord. Les artistes se servent de leurs mains comme pochoirs. Point. Ils soufflent de la peinture dessus. Point. Une dernière fois, sans parler de la ponctuation. Les artistes se servent de leurs mains comme pochoirs. Ils soufflent de la peinture dessus. Voilà la dictée flash du jour. Si c'est trop long pour vous, n'hésitez pas à écrire seulement la première phrase, d'accord? Il n'y a pas de problème. Ce sera pareil pour les autres jours. C'était pareil pour hier. Il n'y a pas de problème, d'accord? Je préfère que vous écriviez bien une phrase plutôt qu'écrire mal deux phrases, d'accord? Allez, à demain pour une autre dictée flash.